On enchaîne avec celle-ci, c'est mon coup de cœur, la couleur. Je me rapproche pour vous montrer. Elle est juste hyper jolie. C'est un peu le même délire que la tenue verte de juste avant. Vous avez deux petits nœuds pour pouvoir resserrer ici au milieu, sauf que cette fois-ci, elle n'a pas de manche. Le pantalon, vraiment, c'est la même chose, hyper élastique. Les matières, elles sont très belles. Franchement, je les attendais un petit peu au tournant. Je voulais vraiment voir pour ce qui était de la matière. Et vraiment, la matière, elle est canon ici. Regardez, je vous montre de plus près. Ça, c'est le petit ensemble pour les beaux jours. Parfait, qui est aussi disponible en plusieurs couleurs. Mais moi, perso, je vous recommande vraiment le jaune. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il est trop joli. Je l'ai accessoirisé encore une fois avec leur petite paire de mules. On continue avec cette robe bleue. Autant vous dire, j'ai l'impression que je suis dans les chroniques de Bridgerton. Je vous montre. Déjà la couleur, est-ce qu'on en parle? Elle est hyper jolie. Moi j'ai flashé en premier temps sur la couleur et ensuite sur la coupe. Regardez, vous avez des petits détails de broderie là au niveau du décolleté, des petits nœuds sur le côté, avec l'effet pointe là sur le devant, en mode comme si vous portiez un bustier et une petite jupe. Elle est canon. On poursuit avec cette robe bleue qui est juste magnifique. Regardez, je me rapproche, vous avez de la transparence. Au niveau du bas de la robe, une fermeture éclair à l'arrière pour pouvoir l'enfiler facilement. J'ai la mauvaise manie de tout le temps commander les tailles que je faisais avant d'accoucher. Et donc je me retrouve dans des missions, je suis toute seule là à la maison. J'étais comme une folle en train de tirer sur la fermeture éclair pour rentrer dans la robe, mais j'ai réussi. Bref, elle est splendide. Franchement, très jolie, absolument pas déçue encore une fois. Même au niveau de la qualité, regardez, je vous montre, trop belle. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin pour moi. C'est cette robe que j'ai portée lors de ma dernière photo Instagram. Vous avez toutes trop kiffé. Vous m'avez demandé d'où est-ce qu'elle venait. Eh bien, figurez-vous qu'elle vient aussi de chez Boohoo. Franchement, je l'avais vue sur le mannequin et en vrai, elle est encore plus jolie. Attendez, je vous montre de plus près. Donc déjà de face, elle est comme ça. Elle se noue au niveau du cou. J'avais un petit peu peur des rayures, puisque bon. Je suis pas une grande adepte des rayures, je savais pas trop l'effet que ça allait rentrer. Et en fait, mes coups de cœur, qu'est-ce qu'elle est belle! S'il vous plaît, vous la nouez donc au niveau du cou, vous avez du coup les lignes. Friends with death, but maybe I should get some rest. Cause I've been out here working all damn day. Blueberries and butterflies, the pretty things that greet my eyes. When you call and I say I'm on my way. You and me belong together. Time.